Aujourd'hui, on va essayer d'aller prospecter les deux cailloux qui se trouvent ici, à savoir dans le sud des Minquiers, entre la bouée Suède des Minquiers et la bouée Suroît des Minquiers ici. Ici, entre les deux, là. Et les deux croches là, je les connais parce que je les ai déjà faites. Tu te rappelles, William, c'était là où tout à l'heure. Ah ouais, 36 kilos. Ton fameux con, là. Et donc, les deux points là, on va essayer de trouver l'épave qui se trouve là. L'autre fois, on ne l'a pas trouvé. Déjà, j'avais pas bien le point. C'est une position approchée, donc c'est pas tout à fait précis, mais enfin, on trouvera. Si on ne la trouve pas, on se rabattra ici. Donc, c'est à peu près à 20, 25 000, 30 000 des côtes de 5A. Regardez la marée pour aujourd'hui. Normalement, ça devrait aller. Alors, vendredi, 11h35. Quelle heure il est, là, Rémi? 7h. 7h moins 5. Bon, bah, si on part dans un quart d'heure, ça devrait aller. Il n'y a pas d'objection, ça devrait aller. Bon, on devrait pouvoir la faire, le temps, ça devrait coller à peu près. Ça devrait être bon. Bon, pas d'objection, ça vous va? Ça va, parfait. Ça va. Ça va, absolument, ça va. Parfait. Bon. Bon, allez, Gérard, on est parti. Ouais, on n'oublie pas nos points. Nous sommes à Erquy, un port typique des Côtes d'Armor. Je m'appelle Franck, je suis patron pêcheur sur un chalutier de 10,50 m. Je travaille tout seul et l'été, depuis 5 ans maintenant, on emmène des gens en pêche en mer pour leur faire découvrir un peu ce que c'est que le poisson, ce que c'est que la pêche et de les familiariser avec des techniques de pêche autres que les nôtres en tant que professionnels. Ça permet aux novices de découvrir ce que c'est un peu que la pêche et à ceux qui connaissent de perfectionner leur art et de connaître un petit peu notre métier avec les moyens qu'on utilise. On est à la bourre et puis mon collègue qui devait me ramener des appâts, il ne me les a pas ramenés. On s'est mal compris. Alors on va être obligé de pêcher des sèches un petit peu juste avant de partir. Je crois qu'on est dans une région assez privilégiée sur le point du poisson. On n'a pas trop à se plaindre sur certaines espèces courantes. Parce qu'en fin de compte, ici, ce qu'on pêche le plus, c'est surtout les congres, les tacos qui sont une espèce très commune, les dorades, les lieux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les roussettes, les rougets. Bon, il y a pas mal d'espèces diverses qui sont quand même, qui restent en abondance quand on sait où les trouver. Sèche. Ah, tu vois? Attends, baisse. C'est bon. Ouais, ah bah c'est bon, il y en a là, on va mieux. Ouais, attends. Attends. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ça va là, tu l'as bien là? Regarde, c'est un encorné ça. Ça c'est super, c'est le meilleur des appâts. Ah, il n'y a pas mieux là. C'est magnifique hein, quand c'est beau comme ça. Hein. Ces sèches constituent de très bons appâts que le congre ne manquera pas d'apprécier. Thank you.
autres, ça n'est pas sérieux. Bon, alors on va préparer des petits montages d'avance là pour les congres pour tout à l'heure. Alors, pour faire, il me faut une pince à sertir. Il me faut des sleeves. Voilà. Je vais prendre des sleeves du 3. Moi, je prends du 3. Hein. Voilà, avec du fil de 100 centièmes. Deux petits bouts de fil que j'ai préparés d'avance. Un de 20 cm et un d'environ une brasse. Alors, les hameçons, c'est du 8. On va prendre deux hameçons. Voilà. Deux hameçons comme ça. Bon, alors je prends une sleeve. Voilà, je vais la mettre tranquille. Voilà. Je prends un hameçon. Je le rentre dans l'autre bout du sleeve. Voilà, comme ça. Et il suffit de sertir. Voilà. Bon, alors on va faire la même chose sur le petit bout de 20 cm. On reprend une sleeve. On refait exactement la même chose. Voilà. Je prends l'hameçon. Je repasse dedans. Bon, alors maintenant on va sertir, opération. Bien dans le milieu. Voilà. Ensuite, il suffit d'enfiler une sleeve sur le grand bout. Et on va mettre la deuxième. Le deuxième montage qui vient se clamper juste à côté. Alors il y a deux façons de monter ça. Soit on les monte en quinconce. Souvent pour les sèches et les encornées, ou alors on les monte en parallèle pour les autres poissons, les chinchards, les tacos, les vieilles et tout ça. Voilà, là, c'est serti. Voilà le montage final. Alors là on finira parce que là si on met un poisson, il va falloir locher le poisson avec une aiguille à locher. Donc on va prendre le bout, on va enfiler ça, ça finira dans le poisson et après je mettrai un autre sleeve ici en finale avec un émerillon ou un paternoster suivant le montage qu'on va mettre. Voilà. Bon bah je te mets les hameçons dans l'encornet, je le pique là pour qu'il ressorte dans la tête. Parce que généralement il l'avale par la tête. Toc. Et puis il l'avale. Donc quand il va retourner, toc, on va le ferrer comme ça. Tu vois? Voilà. Allez, mets ça à l'eau. Vas-y, genre. T'as pris le harnais? Ouais, c'est bon, vas-y. Bon alors la pêche à soutenir, le principe c'est de se mouiller sur un caillou, sur une épave. On laisse descendre le fil avec un avançon et un plomb. Et le fait de soutenir la canne, ça s'appelle la pêche à soutenir. Donc le plomb est posé sur le fond, c'est une pêche qui est fixe quoi. Alors les éches pour la pêche à soutenir sur le Kong sont essentiellement composées de chinchards, de tacos, des sèches. On peut également mettre des petites vieilles. Alors nous ce qu'on fait, ben, on les pêche à l'avance. Quand on arrive sur le caillou, par exemple, les petits tacos comme ça, ça sert très bien. Ou alors les chinchards. Hein. Donc il y a une façon différente de les écher. Et ou alors quand on n'a pas de frais, ben, on utilise des congelés. Ça, c'est des sèches qui sont congelées et on va les écher d'une façon différente. Et aussi, ça dépend aussi beaucoup des goûts des poissons. Parce qu'il y a des fois, il y a des jours où ça ne marche pas du tout. Donc on est obligé de mettre un menu différent parce que ben, ils sont compliqués. Et puis il y a des jours où ils ne veulent pas, suivant le temps, suivant les vents. Suivant leur appétit aussi, quand ils sont gavés, suffit qu'ils passent devant un truc qui leur fait plaisir, et ben ils le prennent. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre différents appâts. Et nous on met toujours différents, et puis après on voit lequel qui pêche le mieux. Voilà. Tiens, ça c'est du sucre.
là, où c'est... Attends, il y en a un qui est pas en ma ligne. Ouais, on... Oh, doucement là. Ah, c'est toi qui en as une? Ah, ça y est, j'en ai une, oui. Bon. Alors là, je vais couper les amandes pour faire des appâts, tu vois. Voilà, on garde ça, tu vois. Et on jette ça à l'eau pour appâter les autres. Voilà, tous les petits bouts de coquillage, ça leur plaît. Ils viennent bouffer ça. Quand une pêche se passe correctement, on commence par prendre quelques dorades, donc à l'extérieur du caillou. Le courant mollit, donc on se rapproche du caillou, on commence à prendre des tacos, des vieilles. Quand le courant tombe, les congres sortent et à ce moment-là, ils viennent manger tous les petits poissons qui sont morts ou les crabes et tout ça. Donc là, c'est là qu'on pêche les congres, à la renverse du courant, généralement. Ensuite, quand le courant a retourné, on recommence à prendre quelques tacos puisqu'on se trouve de l'autre côté du caillou. Et quand on dépasse carrément le caillou, on prend des dorades. On est sur sable. Merde. Non, sur sable, il est accroché là. Mais tu vois, c'est des éboulis de cailloux. Et puis il y a des roussettes qui doivent se trimballer entre les deux cailloux. Ouais, c'est une roussette. Requinos. Pour les petits, il faut sentir les touches. Hein. Ah oui. Enfin, ne fais pas voir ça, Jean-Paul, parce que. Tiens, donne-moi du bout. L'adrénaline qui est montée, là, bon Dieu, là, ouais. Ça va aller, là. Vous faites, ouais. Je l'ai senti quand même, ouais, quand ouais, c'est pour ça, il était déjà là-dessus, hein. Je t'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà légèrement un petit touche, là. Ouais, si c'est pas un congre, c'est un requin de 500 kg, ça va. Alors ça, sinon... tu vas voir, il n'y a qu'une façon de les tuer. Tiens, viens, t'en bouge pas, tu vas voir. Sans qu'elle te mordent, tu vois. Voilà. T'es tranquille. Une journée ensoleillée, trop calme, où le congre n'a pas voulu mordre, trop méfiant. Départ en mer le lendemain à 6h30. Le matériel est chargé, les vents ont changé,
Il pleut, il fait frais. On va larguer le palan. Attention derrière. C'est parti. Les conditions optimales pour faire une pêche, c'est pas foncièrement un super beau temps avec un calme lisse, c'est pas de vent du tout, parce que je pense que l'eau est trop claire et que le poisson a du mal à prendre facilement les apports. Le vent s'est levé un petit peu, on a un ciel qui s'est voilé. Je pense que ça a favorisé notre pêche. Un kilo, ça va suffire, ça va tenir. Oh oui. Hein? Oh oui. Déjà, c'est le plus petit que c'est le bateau. Allez, tiens, viens derrière. C'est sûr que pour une bonne pêche, il y a trois points essentiels. Un mouillage, qui, on peut le dire, s'il est parfait, assure 90% des prises. Des appâts frais, au maximum. Et bien sûr, un pêcheur qui a l'habitude de sentir les touches et qui se familiarise souvent avec le poisson avec lequel il combat. Je vais me poter cette vie, toi. Et des algues. Bah après, ça m'a calé l'estomac, ça a été mieux. Bon, alors je vais vous montrer comment on fait les montages que l'on sert pour pêcher les tacos, les dorades. Enfin, que je fais ici, parce que normalement, il faut mettre des petits émerillons pour pas que ça brille. Mais bon, c'est des montages qui sont économiques, simples, pratiques, et quand ils sont foutus, on change. Donc c'est très, très facile à faire. Alors il suffit déjà de faire deux petits avançons d'environ 20 cm. Alors on va couper. Hop là, viens à toi. On va déjà faire les fils. Alors on va prendre les petits hameçons. Alors, on fait un nœud d'hameçon tout bête, tout simple. Centimètres à peu près, on coupe, toc, un petit bouc. Un quoi t'as pris? Une dorade et quoi? Ah bon, ah bah c'est bien. Ça devient rentable? Oui. Là, voilà. Non, voilà. Alors, je vais le piquer sur la petite planchette. On va faire le deuxième. On fait pareil. Le deuxième en pile est fait. On va prendre une petite perle phospho sur l'empile du bas. Alors normalement on fait ça avec de la colle et tout. Bon là c'est tout simple. On va faire un petit nœud qui tient bien. On tape dessus Rémi. Voilà. Là, une fois qu'on a fait ça, on refait un petit nœud dans le centre ici. Voilà. Touc. Et descend plus. C'est bon. Une petite boucle. Pas de cadeau.
Voilà. Deuxième empile est prêt. On va le mettre là. Et on va faire le corps de ligne. Bon, on fait une boucle. Comme elle a cette chaussure, pareil. Alors ceux qui étaient petits qui se cassaient la gueule, bah tant pis, ils savent pas faire les boucles. Allez, hop. Bon, alors attends, parce que là c'est un nœud assez technique. Je prends à peu près 20 cm derrière la boucle. On fait une demi-clé. Et avec le corps de ligne, voilà, on va tourner autour. Oui. C'est un nœud connu. Hein. On fait 4-5 tours. Voilà. Et avec celui du dessous, on repasse dans la boucle. Et t'as plus rien. Hein. Voilà. Voilà, ça doit faire ça. On tire. Et on serre. Voilà. Hop. Alors, à 30 cm de la boucle, on va faire une autre boucle. Alors, je recommence pour ceux qui n'ont pas bien vu. Il y en a qui regardent pas. Voilà. 1, 2, 3. Rigole pas dans mon dos là-bas. 4. J'essaie d'expliquer. Déjà, c'est difficile comme ça. On n'a pas un métier facile, tiens. Et l'autre, il est en train de vider la mer là-bas. Bon, vous avez vu là? Hop. On tire, c'est bon. Voilà. On va refaire. Là, on va couper. Tac. On va faire une petite boucle. Et une petite boucle. Voilà, c'est bon. On va couper les fils qui restent. Voilà. Allez, couper. Alors après, bah, il suffit de mettre les avançons qu'on a fait dans les boucles qu'on vient de faire. Voilà. Voilà. Ah, il pique bien. Hein. Voilà. Voilà. La ligne complète, ça donne ça. C'est l'idéal. Ah, ça change. Oh, elle est belle. Elle est belle. Godinasse. Belle dorade. Elle est belle. Bon, ouais, ça va, on en fait pas trop quand même. Tu m'as dit qu'il fallait que ça soit superbe. Ben, tu vois, ceux-là, on s'en sert pour prendre les cons, les petits, là. Tu vois, tout ça, on s'en sert pour faire de la boîte, quoi. Et puis les autres, ben, on les garde pour les manger, quoi. Ceux-là, ils sont bons. Alors, ils ont les yeux globuleux parce que quand ils remontent de 30 mètres, ils font une surpression et puis l'air qui est contenu dedans, la vessie notatoire, elle éclate et puis les yeux éclatent. Quoi. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont de l'air dedans. Ça, c'est des... Ils ont été remontés trop vite, ceux-là, par des mauvais pêcheurs, par exemple. Et alors, tu vois, un beau taco qui a été remonté tranquillement, en étant travaillé, voilà, il est propre, impeccable. Enfin les trop petits comme ça on les remet à l'eau hein. Oh. Ça c'est bon à rien ça. Ouais c'est pour les mouettes. Non, non c'est le fond. Attends. À la crevette. Allez les gros yeux quand même, pourtant j'avais bien travaillé celui-là. Voilà. Tu n'as rien écouté encore hein, Rémi, hein, dis donc. Non mais je vais pas penser à remettre. Ah non, et t'as pas mis les harnais non plus, alors tu risquais pas de le prendre. Hein.
Première touche de congre à signaler. Putain de sale. Ils sortent, ils vont bientôt attaquer. T'étais pas bien positionné dans le siège. Il a mordu, tu vois, regarde, il t'a pris ton mèche. Tu vois, il a tout bouffé. Et il t'a emmené dans les cailloux, c'est pour ça que t'as cassé le plomb. Voilà. Mais de toute façon, s'il était pris. Regarde, tu vois, regarde, c'est tout grand là. Tu vois, regarde. Ah oui, d'accord. C'est tout grand, c'est qu'il y en avait un au bout. Voilà. Ah, il y en avait un. Bah, ça... Ah, bah oui, bien sûr. Hein. Ah, il y en avait c'était un gros. Hein. Oui, oui, il était pas petit. Bon, alors attends, je vais te remettre un plomb, puis je remette un truc. Ah, non, il a pas cassé. Non, là, t'en avais un. T'étais pas accroché. Ah, oui, oui. Non, j'étais pas accroché. Hein. Attends. Tu l'as senti? Ah, bah oui, oui. Ah, oui. Ah, bon, ah, oui. Ah, ouais, plutôt, oui. Bon, tiens, tu regardes, je vais mettre l'appât. Tu vas voir comment on met l'appât. Ah, tu mets un chachard, là. Ouais. Tu les as bien amarrés, tes sièges, hein. T'inquiète pas, j'en ai encore pas perdu un pour l'instant. Non, parce qu'on est aux premières loges, là, tu vois. Descendre avec le moulinet et tout ça accroché, tu descends comme une pierre, hein. Si tu pars, t'emmènes le cul du bateau. Donc on ira te chercher avec, quoi. Voilà. Voilà. Et alors, phase finale. Là. Bon, allez, Rémi, vas-y. Oh, là, la flotte en plus, c'est super. Allez. Tiens, je le vois, attends, doucement. Stop, stop, c'est bon. Attends, hein. Ah, putain de goutte. Allez, vas-y. Ah, c'est bon. Et voilà. Tu l'avais bouffé, la vache. Hein, voilà. Ça peut même passer la masse derrière. Tu vois la masse? Allez, attention, tu y es. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah, puis le plomb est resté. Ah, bah le plomb, à chaque coup, il reste. Hein. T'as pas de casser la tête là. Bon, bah, je vais prendre un taco, tu vois, et puis je vais le lâcher avec l'aiguille. Alors, je l'enfonce bien, tu vois, dedans, là. Là, je vais le faire ressortir au bout. Là, ça va, non, j'ai pas envie de... Je vais mettre le fil. Puis je vais tirer le tout. Voilà. Voilà, tu vois. Mimi. Je t'en prie. Attends, bouge pas. Ah, c'est vous deux qui êtes emmêlés. Tu le vois là? Moi, je le vois. Il est là. Ouais, je le vois. Un hameçon vient de lâcher. Il n'en reste plus qu'un seul de crochet. Tu le vois là? Moi, je le vois. Il est devant. Là, il est pas gros. Yeah. Tu le vois qui arrive là? Oh là là. C'est parti. Il est là. Il est là. Je voulais qu'il le prenne pour la photo, mais. Elle partira pas, attention. Tu l'as là? Bon attends, on va le larguer d'ici. Tiens, tu le largues là? Vas-y, je le mets derrière. Oh, tu peux l'enlever au machin, il est pris juste sur le... Ouais, mais attends, parce qu'il va gigoter. Oh, largue-le là, vas-y. Attends. Un autre, parce que... Ils ont quand même de la force, ces petits gars.
tu remets le bas de ligne parce qu'elle est juste plus flottée. Ah, oh, je vais t'en mettre un autre. Avec une pince. Oh, attends, on va déjà lui mettre un petit coup sur la tête pour le calmer. Tiens, passez-moi la masse là. 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 Il y en a un, c'était. Regarde, oh, il y en a deux d'un coup là. Ah, regarde, oui. Tiens, attends, pousse-toi, regarde. Allez, pousse-toi. Tu les vois dans l'eau ? Montez, montez. Allez, montez. Il y a deux dorades. Allez, d'un coup à bord, hein. Allez, hop, ça va faire ton poids à l'eau. Oh, les autres. Bien. Bien, bon. Ça, c'est de la pêche. Ça pratique, hein. C'est le poignet qui. Allez, on va bouffer. On peut manger, j'avais dit que je mangeais. Hop, regarde. Attention à mon verre, hein. Ah, oh, on est pas sûr. On a l'hiver. Quoi ? En deux. Ah, c'est bon. Bon, allez, on lève l'ancre là maintenant. On va changer de mouillage. Il y a trop de jus pour pêcher là. Pour se mouiller sur un caillou, il faut savoir qu'ici, on a des marées basses et des marées montantes. En marée basse, souvent, la plupart du temps, les courants prédominants sont norrois-suède. Donc il faut qu'on trouve des cailloux qui soient orientés norrois-suède. L'avantage, c'est que quand on se mouille sur un caillou, de flot par exemple, le courant venant du norrois, on se mouille au milieu du caillou. Donc on est bout au courant. Quand la marée renverse, le courant se trouve à 180 degrés opposé. Donc si on se mouille bien sur le caillou, bien au milieu, de flot, on pêche d'un côté du caillou, et quand la marée bascule, on tourne et on pêche de l'autre côté du caillou. Je me pile la tête du caillou, sinon ça va pas aller, on va rien prendre. Il le sable. Tu vois, on le blague, il monte. Donc on va se retourner, on va se mettre sens inverse, on va se mettre tout au courant, on va embouiller. Là, on est plus dessus, je vais faire un demi-tour. Tu vois, le poisson, il est là, juste derrière. Tu vois, on le voit en bleu. Alors on va le voir arriver là, attends, c'est un gros celui-là, dis donc. On va voir le loup, hein. Attention, je le vois pas encore. Ah non, mais il est bien, je le sens bien. Tu vois tout là, tu vois bien là. Allez, on va laisser arriver tranquillement. Tu vas le voir arriver là-bas dans le loup, attends. Oh, dis donc, il se prend, allez, vas-y, ah, vas-y, on se retire, monte, vas-y, c'est bon. Attends. T'as vu comme ils sont là ? Voilà, quand ils remontent, il faut mouliner un peu de vitesse, sinon ils dégagent. Vite. Voilà, vas-y. C'est pas pour moi. C'est pas le problème. Viens, touche-toi un peu, lève l'arrière, pousse-toi. Tu le vois qui arrive là en blanc ? Oh, mais attends. Pousse-toi un peu là. Pousse-toi, parce que je peux pas vous agacer. Stop, Gérard. Attention derrière. Attention! Ouais, je te dis, c'est un super conc de roche que tu vois, il est bien noir, bien foncé, il est pas blanc du tout, tu vois, il commence à avoir un petit peu d'essoufflé là. Yeah, regarde la gueule comment c'est fait. Alors, tu vois les rangées dedans, ça va faire tout. Faut jamais mettre la main dedans parce que même mort, des fois ça se resserre d'un coup, c'est les nerfs, tu vois. Alors ça sert à déchiqueter, tu vois, il déchique surtout les grosses poids, quand c'est trop gros, il déchique.
Tu vois? Voilà. Et alors il est pris, tu vois, juste au fond, il l'a avalé. On l'a ferré bien comme il faut, tu vois, et il l'a avalé, il est carrément dans l'estomac à l'intérieur. Tu verras quand on l'ouvrira tout à l'heure. Je suis sûr qu'il est planté dans le foie là, juste au niveau du foie là. Tu verras tout à l'heure quand on va l'ouvrir. On va le laisser se reposer, là, il est bien. Allez. D'ailleurs, tu vois, tu peux toucher, tu vois, il y a une espèce de. Tu vois ce que ça fait, tu vois, ça fait une espèce de peau blanche. C'est ça qui lui permet de mieux glisser dans l'eau. Tu vois, c'est vachement. C'est épais, lui. Il y en a partout. La pêche est finie, c'est l'heure du retour et du nettoyage des poissons. On éventre le congre de l'anus jusqu'aux ouïes. On extrait le foie du congre, qui est un morceau de choix. Son goût se rapproche de celui du foie de veau. Cette fois, on décide une pêche de nuit. On établit la route pour aller sur le lieu de pêche, on cale le sondeur et le GPS. On règle le radar. Il y a des verres, monsieur. Chef, ouais, il y a des verres. Oui, on va. Les appâts sont soigneusement préparés. Les sèches en fine lanière. On nèche les chinchards pour le congre. Tout doit être prêt pour l'arrivée sur l'épave. Le changement de marée est juste à l'aube et il n'y a pas de temps à perdre.
Alors je suis vraiment le touriste amateur, moi. Hein? Donc tu te rappelles comment on fait, oui? Oui, mon vent. Bon, vas-y, ouais. Le moment est arrivé. L'aube va se lever, tout le monde se met en place. Les poissons diurnes vont remplacer les espèces nocturnes. On a pris un modèle standard. Il y en a, toi. Première prise de la journée, c'est parti. Regarde, elle a, sur le côté de la gueule, regarde, elle a l'appât encore, elle a récurgité l'appât, tu vois, regarde. Tu vois? À l'encornée, elle l'a pris celui-là, tu vois? Donc ça marche pareil. Par contre, tu t'es fait manger en dessous. Tu as mangé deux fois, il y a des dorades là. Non, il y en a deux. Tac, il n'y avait qu'à attendre. Et hop, là, l'autre mord derrière. T'attends, Rémi, l'autre il mord derrière, tu les rondes de par deux. Pas. Eh ben, déjà on la sent, hein. Oh, il est pas vilaine. Oula. Voilà, avec la perle. Tu vois? Ah, oh, putain. Doucement. Allez, vas-y, doucement. Là, quand il remonte, tu lèves. Hein, quand il remonte, tu lèves, tu laisses faire. Vas-y, prends ton temps. Mais prends ton temps. Dès qu'il remonte, tu lèves. Hein. Voilà. Là, tu vas te pousser un petit peu. J'ai traîné sa gaffe, là. Ça me paraît bizarre, sa gaffe, là. Vas-y, machine, là. Alors, vas-y. Tu veux pas monter là-haut? Putain, il est beau, en plus, hein. Enfin, adieu, c'est un balèze. Tu le vois arriver dans l'eau? Doucement. Là. Là, Monseigneur, stop, voilà, arrête. Il est pas encore arrivé. Hein. Stop, arrête. Arrête. T'es trop loin. Tout, pas tout, hein. Bon, attention, tombe. Parce que là. Merci. Il en fait exprès. Il va m'avoir avec la gaffe. Là, c'est bon.
gagné mon steak. Bon, je le largue. Toc, tiens ça. Celui-là, on le met dans le coin. Hop, et on prend un autre montage. Voilà, le deuxième montage. On en remet un autre. Tiens voir. Tu vois, des fois, faut pas désespérer. Il s'appelle bien. Welcome, sir. Ah, tu vois, voilà. Ok, allez. Range le plomb. Ouais, bah attends, je vais pisser. Les congres sont de sortie. Les petits poissons fuient l'épave. Ils sentent le danger. Tourne une liste numéro 7. Ah oui, il est bien. Vas-y. Regarde la canne quand elle monte là, vas-y. Faut faire la gaffe. On va s'en mettre. T'as des coups vilains, il est plus là pour l'air d'être vilain vilain. Hein. T'as vu comment il titillait? Ça a duré au moins 10 minutes hein, le titillement là. Allez. Oui bah hé. Hey. C'est pas de la... Regarde les coups dans la canne. Tu vois les coups? Regarde un peu. Il donne des coups de la tête. Ouais. Allez, vas-y. Ah, celui-là est pas vilain, ça va. T'as vu comment il tourne la gaffe, regarde. Ça le part. Là. Ah. Eh ben dis donc. Ils vont peut-être sortir. Viens là. Attention, c'est bon. Attends, je vais le larguer tout de suite. Il a été un moment, hein. Avant de se décider, celui-là est pas vilain, hein, il fait bien ses 10 kilos. De lorsqu'un congre est en train de mordre, il faut lui laisser toute la possibilité, toute la latitude de partir avec le fil. Donc il faut lui donner du fil, on le sent qu'il mordille, il mordille, avant d'engamer franchement. Hein. Un congre, quand ils ont très faim, et puis... Effectivement, il saute sur la patte, mais enfin, ça, c'est un réflexe plutôt. Hein, le congre est un poisson quand même qui tâtonne beaucoup. Hein. C'est très méfiant, un congre, de toute façon, par nature. Hein. Rémi, viens! Prends la gaffe, Rémi. C'est bon, pas de panique. Alors, tu vois, l'avantage du siège, c'est que t'en chies pas comme un turc. Parce que là, pas pareil. Ici, le congre est pris debout. C'est plus difficile que sur le siège, plus confortable. Non, c'est moi qui vais gonfler les filles. Ça, c'est à moi. Tu vois, regarde comment on peut jouer avec une fois qu'il est. Regarde. Attends, je vais lui passer à Rémi, tu vas voir. Ça, je t'explique, quand j'ai du monde et que je m'y mets, tu vois, tu le vois là? Le bloc arrive. Alors, c'est un pan vilain. Tiens Rémi, vas-y. Regarde, je prends le fil. Ouais, mais sa gaffe, elle est un peu grosse aussi. Hein. C'est bon. Non. Non, tu vois, elle est bien, mais la machine n'est pas assez retournée. C'est bon quand tu es derrière, c'est haut, elle est trop longue, elle est trop haute. Sur le côté, ça bouge. Hein? Ah oui, il est trop long. Enfin, j'ai l'habitude de la mienne. Oh, t'allais pas mal. Hein? Je crois que... Ce que j'essaye de faire passer aux gens qui viennent sur le charter, c'est pas foncièrement de faire une grosse pêche,
parlait d'être content quand on a fait beaucoup de poissons. Mais je crois que c'est, il faut sentir le combat qui peut se faire avec un poisson. C'est ça le plus important. Quand on a pêché un poisson, qu'on a combattu avec lui, qu'on a essayé de sentir comment il réagissait, d'essayer de le piéger, je crois que c'est ça qu'il faut retenir de la pêche. C'est ça qui est le plus formidable. C'est pas de faire une grande pêche. Quand on a combattu un poisson, je crois que ça reste toute sa vie, même son premier poisson. Bon, c'est sûr que là, on est bien équipé avec les sièges de combat. Et je crois que, honnêtement, ça vaut une pêche dans les Caraïbes, pour la première fois. Oh, dis donc, il faut, allez, vas-y, on retire, vas-y. Attention. Hein, allez, il est trop long.